baigné quoi. Ouais, à part l'arrivée à Bahia. Ça fait du bien de faire du double, surtout quand on a un super coéquipier. J'aime bien le Havre, qui est une super ville de départ, avec un super bassin pour montrer nos bateaux au public au départ. Le parcours est sympa parce que c'est une descente de l'Atlantique, qui est le parcours initial de tous les tours du monde. Donc c'est aussi un peu une bonne répétition pour le Vendée Globe. C'est une super course pour résumer. Oui, tout à fait. Ça y est, on a passé l'équateur. Un podium d'ailleurs. Ouais. 15 ans qu'on se connaît, qu'on navigue ensemble, et quand on commence une manœuvre, les choses elles s'enchaînent naturellement. Et la confiance et le vécu qui font que ça fonctionne bien comme ça. C'est tout le temps, on est super bien à deux. C'est vraiment des bateaux assez violents, très physiques, très contraignants. C'est une régate de haut niveau, donc il y a aussi du stress. Partager ça ou décharger un petit peu de tout ça avec son coéquipier, ça fait du bien. Et puis de temps en temps, quand ça va vite, que c'est grisant, qu'on est sur des bons classements, que tout va bien à bord, il y a aussi un paquet de plaisir et c'est aussi beaucoup plus sympa de partager ça à deux. Jérémy nous a gagné, donc il va nous dire. Il faut un bon duo évidemment, il faut un bon bateau bien préparé et bien fiabilisé pour pouvoir vraiment tirer à 100% dessus. Et puis après il faut la bonne stratégie et notamment sur les 3 premiers jours de course, souvent c'est là que ça se démarque. L'objectif c'est vraiment de faire une transat bien aboutie, qu'on arrive à dérouler une stratégie, qu'on arrive à dérouler notre performance comme on le sent, sans souci majeur, et je suis convaincu que si on fait ça, il y aura un très bon résultat à l'arrivée. Rien à ajouter. C'est la Transat Jacques Vabre qui rassemble le plus d'Imoca de l'histoire, et c'est clairement celle où le niveau il est le plus incroyable et peut-être homogène. Il y a quasiment 10 bateaux pour moi qui peuvent remporter la course, peut-être quasiment 15 qui peuvent être sur le podium. Il va falloir faire très peu d'erreurs pour arriver à sortir devant.